suis Melvin Fardet, j'ai 18 ans. Et moi, je suis Robin Louche, j'ai 20 ans. Donc, on est tous les deux en carrière sociale, mais sur des options différentes. Moi, je suis en gestion urbaine. Et moi, je suis en service à la personne. Pour travailler sur cette problématique, moi, j'ai pu aider en travaillant sur l'aménagement de la ville. Et moi, sur les publics touchés par cette problématique. Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Alexandra et j'ai 18 ans. Et nous sommes en première année de technique de commercialisation. Nous avons travaillé sur le financement de notre projet. Et nous avons réalisé des études de marché. Bonjour, je m'appelle Étienne, j'ai 19 ans. Je m'appelle Ashley, j'ai 20 ans. Et on est en DUT Réseau et Télécom. On a travaillé sur la maquette et sur la conception de produits. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 19 ans. Je m'appelle Lucia et j'ai 18 ans. On est toutes les deux en DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Et on a travaillé sur les vidéos. L'hôpital de Béziers est difficilement accessible. Il est éloigné du centre-ville et beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'y rendre. Bien que ceci soit facilité grâce aux applications de géolocalisation telles que Google Maps, une fois devant, il est difficile de trouver le parking ou même de savoir comment se diriger dans l'hôpital. C'est pour ça que nous avons pensé à un abri qui donne des informations sur l'hôpital ainsi que les alentours. Il y a aussi un panneau pour les conducteurs qui informe en temps réel des places libres sur le parking et évidemment comment y accéder. Nous avons aussi réfléchi à des solutions pour que les personnes handicapées puissent profiter de ces informations.